Eh bien, bonjour à vous tous, c'est Aïktal, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part aujourd'hui, ça va plutôt pas mal. Ça fait 2 mois que je vous avais dit que j'allais faire cette vidéo pour vous montrer la meilleure map RP Fortnite. Hier, je vous ai fait une vidéo mise à jour. Ce week-end, je vous ferai une vidéo, les abonnés, pour vous expliquer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le pass de combat de la prochaine saison, la map, etc. On va tout essayer de décortiquer avec vous pour cette prochaine mise à jour qui arrive dans 2 jours. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer la meilleure map RP Fortnite pendant 2 mois. Moi, j'ai cherché la meilleure map RP française Fortnite, bien sûr, faut parler avec des Françaises, ça serait mieux, sur Fortnite en créatif, et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous annoncer du lot, vous allez voir dans cette vidéo. Avant de débuter la vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui découvrent ma chaîne. Abonnez-vous, mettez la cloche et je vous assure que je ferai passer tout le monde qui active la cloche à l'écran. Voici des exemples comme les dernières personnes qui l'ont fait dans la dernière vidéo, donc n'hésite pas à le faire si tu veux passer. N'hésitez pas également à mettre mon pseudo épique dans les commentaires si vous voulez que je vous ajoute sur Fortnite, c'est très important. J'ajoute la plupart des abonnés, pas tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde, mais environ la moitié j'ajoute. Donc n'hésite pas à mettre ton pseudo épique en commentaire pour que je t'ajoute sur Fortnite. N'hésitez pas aussi à liker, ça ferait super plaisir. Mais bref, on va commencer avec la vidéo pour vous montrer la meilleure map RP Fortnite roleplay. Je vous mets un petit gameplay en même temps et je vais vous expliquer ce qu'il y a dans cette map. Ce que j'aime bien aimer, c'est qu'il y a beaucoup de fast-food, c'est ça que j'aime bien. On peut louer des bateaux, des avions, des hélicoptères, on peut louer des voitures. Et ce qui est bien, c'est que normalement une map RP se réinitialise au bout de 4 heures. Et voilà, quand vous achetez une maison, vous avez de l'argent, au bout de 4 heures la map se reset, mais vous avez encore tout ce que vous aviez avant. C'est ça qui est cool, et je trouve que cette map en plus, elle est très belle, pas visuellement, mais en termes de jeu, c'est presque pareil que GTA RP. C'est-à-dire que le mode de jeu, les métiers qu'il y a sur cette map, c'est presque identique à ceux qu'il y a sur Fortnite. Qu'est-ce que je me raconte moi, sur GTA, la map n'est pas non plus pareille, puisque c'est pas non plus la même que GTA. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle ressemble mentalement, comment elle a été faite avec les métiers. C'est presque pareil. Et c'est une des meilleures maps que j'ai cherché. Essayez, dites-le moi en commentaire si pour vous c'est l'une des meilleures. Mais en tout cas, celle pour moi, celle-là est exceptionnel. C'est pas un placement de produit que je fais pour la personne. La personne, je la connais même pas, elle ne sait même pas que je fais une vidéo sur sa map. C'est juste gracieusement pour vous. Le code s'affiche à l'écran pour ceux qui veulent l'avoir, en commentaire aussi et en description, en épinglé bien sûr, si vous voulez avoir le code. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Je pense que pour vous, ça serait une map super bien. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était une vidéo assez courte que je voulais vous faire aujourd'hui, ce week-end. Je ferai une vidéo pour la prochaine mise à jour de Fortnite, donc n'hésitez pas à être actif, abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez passer à l'écran, mettez vos pseudo épiques dans les commentaires si vous voulez que je vous ajoute. Bref, merci à vous d'avoir visionné la vidéo, à une prochaine, allez, ciao.